un marathon, ce n'est pas deux semi-marathons. Autant sur semi-marathon, vous pouvez remplacer quand vous êtes blessé par du vélo et vous en sortir à peu près. Autant du fait de cette nécessité de l'endurance musculaire, des chocs répétés, sur une discipline comme le marathon, à un moment vous le payez parce qu'à un moment il faut faire ces bornes pour justement travailler cette endurance musculaire avec tout le travail excentrique que vous n'avez pas sur le vélo mais que vous avez dans la course à pied et qui sur la fin peut être un facteur limitant. Moi je me souviendrai toujours du premier marathon de New York que j'ai fait. Il se trouve que par le plus grand des hasards, Laurent Jalabert était aussi sur ce marathon-là. Et à l'arrivée, je le vois, je lui demande des nouvelles. Et il me dit « j'ai jamais fait un truc aussi dur de ma vie ». Donc pourtant, voilà, avec les Tours de France qu'il a enchaîné, les Tours d'Espagne, d'Italie ou autre. Et en fait, il était juste pas prêt musculairement. Il avait les vastes internes et les vastes externes complètement tétanisés par ce travail excentrique de résistance à l'appui qui cumulait, finalement, l'ont épuisé sur une forme, des formes musculaires qu'il n'avait jamais connues.